J'ai horreur des téléportations surprises. Où est-ce que vous... Oh, vous êtes là. J'ai déjà bien assez de mal à vous suivre dans cette région. Merde, il y avait deux cadavres. Sans qu'en plus vous vous téléportiez spontanément à la hussarde et sans prévenir. Les sujets de ces essais s'avèrent très... décevants. Ils sont tous défectueux d'une manière ou d'une autre. Des rebuts rejetés par la réponse immunitaire de la société. Les cellules, ces trous décrépits où le docteur Bénédicte nous enfermait avant... avant... Sale tes œufs battus! Non, il faut que ça me revienne. C'est quoi le truc rouge que le mec a sur lui, là? Je sais pas. Il y a des genres de mutations. Qu'est-ce qu'il faut subir à ce type? On un genre de cancer. Pour eux. On était... T'as venu, il y a un boss à tomber là. Des jouets. De la viande. Que je pense que c'est un boss, c'est peut-être juste un super lion. Qui entretiennent ce cauchemar. Non, c'est un, ça te fait d'être un boss vu la vitesse à laquelle il est tombé. C'est vrai qu'un ennemi de base, il aurait été plus dur. Il a raison. On doit les arrêter. Coupez le courant. Oh, pouce rouge! Merde! Donc faut pas péter tous les objectifs ou les ennemis repopent à l'infini, ce serait pas le genre de salle. Tu veux dire une salle où il faut farmer? Est-ce que c'est vraiment un jeu où t'as besoin de farmer? Trito, il veut s'acheter des cosmétiques, il veut s'acheter des skins. Ah, exact. Ah, bah ou pas. Mettre à peur à l'expérience. Fric, fric, fric! Quoi, faut c'est des générateurs ou des conneries comme ça, non? Plus 200%, ouais. Appétit plus 300%, disparition du réflexe nauséeux. L'estomac du sujet contenait 7 doigts et 3 oreilles. Vas-y, il faut virer quoi d'autre là pour t'aider à avancer là? Hop, normalement c'est bon. Non, rien manque, hein. Les cloches se taisent. Trop tard, il est mort. Il a de la chance dans un sens. Mais les expériences sont terminées. C'est déjà ça. À travers les trous du fromage. Il est bien dégusté, hein. J'ai déjà vu des traumas provoquer des fragmentations de la mémoire, mais pas à une telle échelle. Je ne peux même pas imaginer les horreurs que Krieg a dû subir ici. Ah, mais si je le peux! Mon petit carnet. Entamer liste des horreurs.
Et pourquoi il prend pas moins 500 ou moins 1000 d'XP chaque fois? Moins 4 niveaux. Ah, j'ai terminé le succès ranimé des coéquipiers. Ah, je crois que je l'ai eu quasiment de tion pendant tout le jeu. Ah, ah putain, ça fait du bien. Ah, y'a des choses qui changent pas dans ce jeu merveilleux. Ah, t'aimes toujours pas que les bidons qui te pètent à la gueule. Je pensais pas qu'il allait moins de choix de celui-là. Ah, j'avoue, moi non plus, je pensais pas. Moi, j'ai apprécié. Ah. Bah oui, j'imagine. Alors, attends, faut aller où maintenant? C'est là, 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 suis-moi. C'est ça, tiens. Oh, creusez encore jusqu'à atteindre l'os. C'est ouvert. Le sujet s'est plaint d'une gêne suite à l'excision du nerf oculaire. Je recommande la suture des voies orales ou l'ablation de la langue. Marcel derrière toi. Major cruel, brutal. C'est moins kiffant en termes de fun d'avoir les mitrailleuses incendiaires, les mitrailleuses cryo, mais c'est tellement puissant, putain. Un truc volant. Ah merde, bah je t'ai tiré dessus. Oh, oh, ça serait pas la première. Et ça serait sûrement pas la dernière. C'était un beau headshot sur Tarkov. Une artiste des headshots. Oh. Sympa comme zone. Tiens, y'a encore un balèze là. Oh. Ah, je vais crever, sale pute. Ah non, c'est bon. Merci à celui qui a chopé ce qui était au moment. Je t'en prie. Fait que j'ai mon super pistolet corrosif de l'infini. Bah putain, sur des ennemis qui sont composés essentiellement d'armure, ça fait des dégâts. Je mets que 2 à 3 rafales pour tomber un mec, tu vois. Quand ils ont plus de bouclier énergétique. Dissociative consécutive au trauma.
Non. Vous êtes là? Ouais. Des têtes. Oh. Eh ben. Moi aussi? Non, pas du tout, je suis bon. Identifiez le tir, chasseur de l'arche. Oh, seigneur! J'ai fait un jeu de mots par le plus grand des hasards. Veuillez m'excuser, il faut que j'aille me flageller. A few moments later. Corps. Oh. Inerte. Il en manquait un là-haut. Tête, ton corps est inerte. Je pense que Krieg nomme des directions avec des indications permettant de trouver l'emplacement d'une arche ou d'une clé. Mais je me trompe peut-être. Il semblerait que vous ayez trouvé toutes les occurrences de la série d'ondes cérébrales. Quand vous le pourrez, passez en revue ce que nous avons découvert. Je viens de passer, il y a l'alarme. Voilà. Monsieur, s'il vous plaît. Oh! Pinton, des agents du FSB! Non, pas eux! Regarde comment t'as failli finir! Hey, attends, vous le reconnaissez le design de la salle? Oui. Ouais, c'est Stalker. Matrix, non? Non, c'est Matrix. Merci, merci. Oh, ah ouais, aussi, ouais. Regarde comment il a failli finir le triton. Et prison secrète, mm-hmm. À ce moment-là. Non, mais c'est pas eux, ils ont pas de chemise. Ah, ils ont pas la petite chemise FSB. Ils ont pas la petite Allez, chemise petite FSB. Allez, petite quête secondaire, encore une fois. D'ici, j'arrive à tout voir. Lequel? Hey, Krieg. Qu'est-ce que vous faites, là? Ah, chasseur de l'arche, vous êtes là? Bienvenue dans le monde. C'est fou, pas vrai? Tout est juste là. Une grande vue sur toute la création. Je sais, ça fait presque trop à absorber. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais si déjà ça vous impressionne, attendez de voir dehors. Vous verrez les couleurs pour commencer. Venez, je vais vous montrer. Clouez votre machine à mensonges! Attention, vous énervez l'autre gars. Un peu de calme. On est là pour voir ce qui est vrai, pas pour écouter vos mensonges sur l'extérieur. Très bien, je vais me débarrasser de ces ombres. Ça risque de faire peur une seconde, mais vous me remercierez après. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez détruit le monde! Comment perdre les plus brillants et les plus ensanglantés? J'arrive pas à y croire. Tout a disparu. Il ne reste vraiment plus rien. Il faut qu'on y retourne. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'allégorie, la caverne de Platon. Alors Triton, pour nos spectateurs, parle-nous de la reine de la caverne de Platon. Vous voyez, la caverne de Platon. 10 fois plus grand que cette grotte. Je sais pas, j'aime pas trop les maths. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait beaucoup à explorer. C'est assez ouf. Wow. C'est... Wow. Avalez ma gratitude tout entière. Oui. Merci, chasseur de l'arche. Wow. Ah, Narsef, il aime bien qu'on lui avale sa gratitude. Droit dans le fond de la gorge. Alors, Triton. La caverne de Platon. La caverne de Platon. Alors. Bon, Narsef, toi, tu sais, donc on n'a pas besoin de t'expliquer. Tu connais, voilà, mais pour les autres. Ah, c'est... des gens au fond d'une grotte qui ne voient que des ombres. Que des ombres de l'extérieur, et plutôt que d'aller voir à l'extérieur, ils pensent que les ombres projetées sur le mur de la grotte, que c'est une réalité. C'est une allégorie, en fait, de l'aveuglement idéologique. Donc, bon point, même dans un jeu aussi débile et bas du front de B3, qui nous a quand même pas vraiment honoré de scénario de quête intelligente, on a plutôt du très très bon là-dessus. Oui, et la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, c'était les escaliers de... Aide-moi. De Escher. Oui. Et d'ailleurs, dans l'épisode que j'ai fait dessus, j'ai rajouté ces quelques images, la photo du mec et tout, souvent pour que les gens puissent aller se renseigner un peu par eux-mêmes, justement, parce que c'est très intéressant.
Mais ce qui est intéressant en plus, c'est une, là, là, pour le coup, l'allégorie, elle est très bien utilisée, puisque finalement, c'est, y a une dissociation de personnalité. Et suite, notamment, ils ont été enfermés et torturés. Donc ça prend tout son sens au propre comme au figuré, quoi. Ce qui est assez intéressant. C'est bien amené, en tout cas. Mais, et encore une fois, en fait, je trouve que pour l'instant, c'est un putain de bon DLC. Mais je comprends pas ce qui se fait dans Borderlands 3, en fait. Pour moi, c'est un DLC de Borderlands 2, ça. Oui. C'est... Bon. Mais non, mais complètement. Mais par contre, ouais, la référence à la... Enfin, pour moi, c'est forcément Matrix, la bataille dans Matrix 1, mais je... Oui. Mm-hmm. Bah, les portiques de sécurité, les ouais, poteaux, vrai, les espèces d'éclats des poteaux... C'est vrai que Matrix 1 aussi, on a tendance à l'oublier, mais... Très grande mise en abyme, ce film-là. Très grande mise en abyme. Et ben d'ailleurs, tout en relation avec la caverne de Platon. Absolument, bah oui. Non, mais... Quelqu'un qui se détache de ses chaînes pour découvrir la réalité, voilà. Qui fait ton sur ton... Ah, c'est là. Ah, il y a un monsieur. Le docteur. Ah, il a pas l'air méchant. Ah, merde. Ah, attends, il y a un écho. Non, c'est quoi ? Oh, des douches. Pardon. La soif de sang. Un terme archaïque. Mais approprié pour décrire ce que je vois. Cette forme de psychose semble plus puissante que toutes les drogues que je connaisse et parvient, je ne sais comment, à fermer entièrement les récepteurs de douleur du sujet. Déclencher sciemment cette psychose permettrait de créer instantanément des super soldats sans même avoir besoin de matériel ou de formation. Et pourtant, j'y vois surtout une deuxième application bien plus valable encore. Si je parvenais à libérer une toxine dans l'air d'une zone à forte population, je pourrais pousser les gens à se battre entre eux. En langage militaire, on parle de ramollir la cible. Suite à quoi, nos armées n'auraient plus qu'à tranquillement franchir les portes. Alors, j'ai envie de dire d'un côté, donc Rick, ton personnage de B2, en fait, t'es un putain de junkie, t'es un peu comme Bane, en fait, t'es camé. Et en fait, tes crises de violence, c'est juste que tu te cames. Et en fait, il serait pas en train de nous dire qu'en fait, toute la situation de merde sur la planète, sur Pandore, c'est lui qui aurait balancé son méga virus, genre en mode atmosphérique, et tout le monde se serait entretué à cause de ça. C'est possible, ça collerait assez bien. Ce qui nous ramènerait à une excellente œuvre de science-fiction, qui est Firefly. Qui est, je pense, sûrement dans mon top 3 des séries de SF préférées avec Battlestar Galactica. Sûrement qui est en deuxième place, Firefly, je pense. Ouais. Battlestar Galactica, Firefly et Babylon 5. N'empêche, il prouve encore une fois que... Ça va être coupé au montage, ça. Wow. Je te rappelle que ton fils peut-être peut regarder cette émission. C'est tout ce que j'ai à dire. Il comprendra dans 2 ou 3 ans. Ouais, c'est bien le problème. Ça, il te balancera à la DGSI. Tu te feras la bite, tu te feras enculer par des gros matins. Et par un triton. Il y a beaucoup trop de privés jokes dans cet épisode. Alors, intéressant. Ah merde. Oh oui. Ah bah non, c'était là. Ouais, c'est en bas. Mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est intriguant de voir ce dont l'esprit est capable quand on lui laisse les coudées franches, vous ne trouvez pas ? C'est un cauchemar encore plus étrange que ce rêve récurrent où mon fauteuil de bureau me trompe avec le microscope. Tu m'as entendu, Alston ? Je t'ai à l'œil, espèce de petit polisson. Hémorragie bientôt catastrophique. Injection d'anticoagulant pour empêcher les cailloux.